Bonjour, je suis Janet Chung et bienvenue à En direct de la ruche, une nouvelle émission consacrée à des abeilles qui, mécontentes du sort qui les attendait, ont tenté de modifier le cours de leur destin. Je précise que cette émission est nouvelle car, à vrai dire, le cas ne s'était jamais présenté jusqu'à maintenant. Voici donc l'abeille qui a ouvert la porte entre le monde des humains et le monde des insectes et piqué la curiosité de la plupart d'entre nous. Barry B. Benson. Merci de m'avoir invité. Vous savez, vous êtes plus petit en vrai qu'à la télé. J'ai entendu dire qu'on paraissait plus grand de 5 mm à la télé. Barry, votre visage est partout. T-shirt, poster, livre. Les enfants boivent dans un mug à votre effigie. Il y a même un jeu vidéo. Je n'avais pas entendu parler du jeu vidéo. Il est à la fois amusant et passionnant. Alors, racontez-nous, comment votre aventure a-t-elle commencé? Bien, comme vous savez, Jeannette, mis à part s'extirper de son cocon à la naissance, le lycée est la période la plus difficile dans la vie d'une jeune abeille. Oui, je me souviens. J'ai fréquenté le même lycée que vous. Vraiment, ça alors? Ah, ils ont un super niveau en plus. Oh oui! Bref, voyez-vous, Jeannette, tout a commencé après ma remise de diplôme. J'essayais de donner un sens à ma vie. Je vois. Racontez-nous, Barry, ce premier jour. Lance-nous ça, Al! Salut, maman, salut, papa, j'y vais! Quoi? Et ton petit déjeuner? Laisse tomber, maman, je veux pas être en retard! Je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé! Mon fils va aller travailler chez Onex! Attends que je dise aux copines que mon fils a eu son diplôme avec mention bien! Aucun de leurs fils n'a réussi cet exploit! Maintenant, vas-y et prouve-leur que tu es un vrai Benson! Je te le conseille pas! Ton père n'est pas parti en bon terme! Pour la millionième fois, Janet, je n'ai pas volé ses post-it! Allez, salut! Martin, je t'en prie! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des centaines de boîtes de post-it? Paris! Salut, Adam! Oh, qu'est-ce que je suis excité! Tu te rends compte? Notre premier jour de travail? On va commencer une nouvelle étape de notre vie. La dernière avant la mort, quoi. La vie des abeilles ne comporte que deux étapes. Oh, sois positif. Qui sait? Peut-être que ça va te plaire. C'est ce que tu disais à propos de l'apiculturisme. Maintenant, je peux plus tendre le bras. Tu sais quoi? Rien de ce que tu diras ne me fera perdre le moral aujourd'hui. Bienvenue chez Onex. Ici, nous fabriquons le miel exactement comme nos ancêtres le faisaient il y a 5 millions d'années. Nous le brassons 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans relâche. Et les années bissextiles? Tous les 4 ans, le 29 février, les travailleurs ont droit à un jour de thalasso gratuit et à un concert dans le parc. Wow, vraiment? Non, je plaisante. Ce jour-là aussi, on gagne de l'argent. Hein? C'est là que je descends. On se revoit à la pause? Souviens-toi, le travail forge l'homme. Quoi? Attends, tu viens de l'inventer celle-là? Oh, et peu importe! À tous les citoyens, pour rechercher la passion, vous aimez l'aventure, vous voulez servir votre ruche, un nouveau kiosque à emploi a fait son apparition dans votre quartier. Encore un produit de qualité offert par Onex. La société Onex est une filiale de Onesco. Chez Onex, nous n'utilisons que les ingrédients les plus frais pour fabriquer notre miel. Et tu peux nous aider à le rendre encore meilleur. Il te suffit de prélever les rayons de miel avant leur transfert pour traitement. Ce n'est pas un boulot facile, mais c'est le prix de la qualité. Et tu es assez doué pour rejoindre notre équipe. Quelle journée formidable! J'aurais pas pu rêver mieux pour un premier jour de travail. Moi si. T'es pénible, tu sais. Tu pourrais pas apprécier ce qui t'arrive? Apprécier quoi? C'est quand même pas un boulot extraordinaire. Depuis que je suis larve, la seule chose dont j'entends parler, c'est du miel. Chaque minute de chaque jour, c'est le miel par ici, le miel par là, le miel, le miel, le miel, on ne parle que du miel. Enfin non, il y a aussi la cire, mais bon, on parle surtout du miel. Je comprends pas. Pour moi, la vie ne se résume pas à ça. Barry, on est des abeilles. Les abeilles, ça fait du miel. C'est notre boulot. Les araignées tissent les toiles, les vers font de la soie, les escargots... Enfin, je sais pas, mais bon, tu vois... Ce que je veux dire, Barry, c'est que tu devrais arrêter de chercher la petite bête. La petite bête? Quelle bête? Y a pas de bête. C'est toi qui es bête. Taxi! Alors, tu viens?
Vas-y, je te rejoins plus tard. Volant de ce magnifique taxi double turbo, tu fonceras à travers la ville pour amener tes clients à bon port. Tu devras avoir de bons réflexes et l'œil vif pour te diriger à travers la ville. Mais si tu t'avères à la hauteur, tout s'offrira à toi, mon ami. N'oublie pas de suivre la formation de chauffeur pour profiter de cette merveilleuse opportunité. Prépare-toi une bonne décharge d'adrénaline au volant de ce bolide. Le Daredevil est doté d'une technologie de pointe et d'une puissance impressionnante qui cloueront tes adversaires sur place. Et si tu gagnes la course, tu deviendras l'heureux propriétaire du Dardar 3000 que tu pourras conduire en tant que pro sur tous les circuits de ton choix afin de gagner gloire et fortune. Rebonjour, mon invité ce soir est Barry B. Benson. Ça alors, c'était vraiment incroyable, Jeannette. J'avais l'impression d'y être. Eh bien, nous diffusons en Happy HD. Il y a deux fois plus de lignes qu'avec la télé classique. Oh, deux fois plus de lignes? Maintenant, Barry, pour que nos téléspectateurs en sachent un peu plus sur vous, étiez-vous déjà sorti de la ruche avant ça? Oh non. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous risquer au dehors? Eh bien, Jeannette, il y a un moment dans la vie où une abeille doit prouver ce qu'elle vaut. Allez voir ce qu'il y a ailleurs. Donc ça vous démangeait? Bien, je ne sais pas si ça me démangeait vraiment. Ça me picotait. En fait, ça me chatouillait. Un chatouillis. C'est un chatouillis qui vous a fait prendre tous ces risques pour voler avec les Apollons du pollen? Un chatouillis. Parce que, vous savez, j'ai entendu dire que tout était parti d'un pari. Un pari? Vraiment? Tiens, et si je vous parlais de ce qu'il y a au dehors? S'il vous plaît, racontez-nous ce que vous avez vu le premier jour. On dit que la simple vue du monde extérieur peut rendre une abeille folle. Oh, c'est juste une histoire de vieille guêpe. Mais c'est assez incroyable. Et enfin, il y a du danger à chaque coin de rue. Et je vous ai pas parlé de la pluie. La pluie? Exactement, des trombes d'eau. Il y avait aussi des animaux sauvages, des bolides sur la route, et des humains à perte de vue. Mais à part ça... Enfin... Laissez-moi vous montrer. Merci. En fait, je vais garder l'histoire du pari. Ah bon? Pourquoi? C'est dans mes notes. Oh... Écoutez les gars, on a une mission délicate à mener et va falloir l'exécuter. Fissa! Oh, les critères de recrutement ont encore baissé à ce que je vois. Comment tu t'appelles, microbe? Barry B. Benson, sir. Il est avec nous, Lou. On gardera un œil sur lui. Ok, revoyons les bases encore une fois. La météo a prévu de la pluie aujourd'hui. Et au cas où certaines têtes brûlées l'auraient oublié, les abeilles ne volent pas sous la pluie. Je vous rappelle également que les chiens, les oiseaux, les grenouilles, les battes de hockey, les raquettes de tennis, les balais et les magazines roulés ne sont pas nos amis. Oh, et interdit de parler aux humains. Rendez-moi fier, les gars. Pilonnez-moi ces pétunias, bande de mouches à rayures. Allez, videz-moi ces fleurs. À l'attaque! À l'attaque! Regardez, je suis un bombardier! Oh. Méfiez-vous des cerfs-volants, les gars! Bon, au vu du vent, je suggère qu'on se mette en serpent pour passer en dessous! Allez, on passe en rasmote! Echo Delta November, Victor, Golf, Foxtrot, Bravo, Zulu, Alpha, Lima, November. C'est vraiment n'importe quoi ce jargon militaire. Bon, droit devant. Abandonné? Petit raccourci par le bassin. Attention aux grenouilles, les gars. Elles ont la langue bien pendue. Et c'est pas nous la grande bouche. Droit devant. Ok, on a une pro du saut. Attention. A plus. Esquivez, les gars. Rendez-vous de l'autre côté de la mare. Go, go, go.
Waouh, quelle vue! Minable! Quoi, tu rigoles, c'est sublime! C'est comme un film, ça n'a pas l'air réel! Je parlais de toi! Tu veux devenir Apollon du pollen? Alors où est ton pollinisateur? Tu comptais récolter le pollen comment, tête de piaf? En le fourrant dans tes poches? Désolé. Tu sais où je pourrais m'en procurer? Là! Voilà, maintenant t'es une vraie abeille! Oh, eh ben, c'est plus lourd qu'il y paraît! Et si tu fais du bon boulot, ça va devenir encore plus lourd! Génial! Waouh! Quel talent! Suis-moi! Bon, c'est pas que je m'ennuie à te raconter ces bêtises, mais on a du boulot. Allez, Bleuzaille, va me polliniser des fleurs. Je suis crevé. Déjà? Et encore, c'est que le début. Voilà les ennuis! À tous les Apollons du pollen, des libellules ont pénétré notre espace aérien. Allez, suivez-moi! On va passer à l'action! Parfait, on ferait mieux d'arrêter sinon ton cerveau va imploser. Va donc polliniser un peu et fais bien attention à ces saletés de libellules. Ah, j'avais cru que voler puisse être aussi puissant. Faut que je reprenne mon souffle. Ça me paraît un endroit parfait pour atterrir. Bien jaune. Oh, atterrissage en douceur. Méfiez-vous, les gars. Ça a l'air louche. Eh hey, les gars, j'ai réussi. Eh hey, le bleu, fais gaffe. Tu sais pas à quoi t'as affaire. Oh. J'ai juste besoin de recharger les batteries 2 secondes. Ouh. Ça me paraît un bon endroit pour se reposer. La joie des joies. Ne t'approche pas de la lumière! Je répète, ne t'approche pas de la lumière! Je dois aller vers lumière. Hé, c'est pas la lumière au bout du tunnel! C'est un train supersonique qui va t'écrabouiller! Brouille-toi! File de là, petit! Oh, regarde ça, Malicia! Ras-le-bol, je veux rentrer. Mince, moi qui trouvais déjà que les chenilles étaient poilues. Ils ne sont pas faux, ils sont synthétiques. Mais ils brillent comme des vrais. Et le mieux, c'est l'argent qu'on économise en n'achetant pas des vrais. Ils ont été développés par la NASA. Pour les femmes des astronautes. Personne ne peut faire la différence. Un bijoutier se laisserait pas avoir.
Pourquoi ? T'es devenu bijoutier tout à coup ? Non, Ken, je dis pas que je suis bijoutier. Faut que je me tire d'ici. Hein ? Cette fois, c'est la bonne. Cette fois ! Ce truc est diabolique ! Ah, voilà le soleil. Je peux peut-être sortir par là ? Je reviens, on n'a plus de café. Quelqu'un veut quelque chose ? Juste que tu reviennes vite, mon amour. Tout va bien. Non, merci. Moi non plus. Je me souvenais pas qu'il y avait écrit 75 sur le soleil. Et si la pierre tombe, on la remplace gratuitement pendant 17 mois. 17 ? Attention, attention ! Une abeille ! Reculez ! Je suis armé ! Je vais t'écrabouiller ! Dispersion générale ! Tout le monde fouille le périmètre ! Toi, fouille le salon ! Toi, la salle à manger ! Toi, le bijoutier ! Quoi ? Je t'ai déjà dit que j'étais pas... Quoi qu'il en soit, vous patrouillez dans la cuisine ! Et surtout, rappelez-vous bien de ça ! Une seule piqûre peut lui être fatale ! Bien essayé. Abandonné ? Vous faites quoi là exactement ? Il y a une abeille dans l'appartement ! Tu pourrais pas coopérer et te laisser écrabouiller ? Ken, qu'est-ce que tu fais ? C'est juste une petite abeille sans défense. Sans défense ? C'est une abeille ! Tu sais bien que je suis allergique ! Allez, va-t'en, petite abeille. Paris. Toutes les abeilles belles et intelligentes comme moi aimeraient savoir une chose. Qu'est-ce que les humains ont d'intéressant ? Eh bien d'abord, en tant qu'espèce, ils sont plutôt sympas. Alors vous aimez les humains ? Seulement ceux qui n'essaient pas de nous transformer en chair à pâté. Et cette femme, Vanessa ? On dit que vous êtes devenus très proches tous les deux. C'est votre téléphone ? Non, je suis en mode silence. Mais qu'est-ce que... Allez me chercher une nouvelle oreillette ! C'est du direct, les gars ! On n'est pas des amateurs ! Il y a des antennes qui vont tomber ! Où en étions-nous ? Ah oui, Vanessa. Parlez-nous d'elle, Barry. Nous sommes... amis, bons amis. Il y a des millions d'abeilles à New Hive City et toutes ont des voitures. Grosses, petites, rapides, lentes. Et il faut bien que quelqu'un les répare. Eh bien, ce quelqu'un, ça pourrait être toi. Remets les voitures en état et les citoyens te récompenseront de tes efforts. Alors sympa, non ? Une hypothèque, tu entends ? Il faut que tu prennes tes responsabilités. Secoue-toi ! Sois un homme ! Ce que ton père veut dire, chérie ! Hé ! Pas la peine de répéter tout ce que je dis ! On est des abeilles, pas des perroquets ! C'est qu'on ne veut que ton bonheur ! Mais pas du tout ! On veut que t'aies un boulot, que tu te maries et que tu fiches le camp ! Quel endroit agréable ! Hein, Barry ? C'est vraiment génial de venir traîner ici. Les abeilles ne traînent pas. Elles ont toujours un but. Eh bien... traîner pourrait devenir ton but. Mais t'es fleuriste, tu dois pas avoir trop le temps de traîner. C'est un boulot génial. J'ai parfois mauvaise conscience d'empocher l'argent des autres en faisant quelque chose que j'adore. Passer mes journées entourées de ces splendeurs. Celle-ci aurait besoin d'un petit rafraîchissement. Je m'en occupe. Oh, Barry, tu as fait des merveilles.
et ça mérite une belle récompense. Alerte! Alerte! À toutes les unités disponibles! La ruche est attaquée! Les guêpes attaquent! On a besoin de renforts! Faut que j'y aille. Tiens, 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 mais qui voilà? Désolé d'interrompre la fête, mon pote, mais nous aussi, on veut s'amuser. À l'attaque, les gars! À l'abri, il pleut! Vanessa? Vané, où es-tu? Oh, Marie, tu as été merveilleux! Tu es un modèle pour moi, Marie! Regarde! Vanessa, tu voles! Tu voles pour de vrai! Vanessa! Oh, c'était un rêve horrible! Oh ouais, horrible! Comme ceux que je faisais quand j'étais ado! Quel cauchemar! Livrer des repas, c'est pas un travail de tout repos. Et les clients en veulent toujours plus. Tu seras la nouvelle idole de la ville quand tu enflammeras les rues au volant de ton nouveau bolide. Garde bien l'équilibre et fais attention à ne rien renverser. Tu en seras largement récompensé. Bon appétit. Le nectar est l'ingrédient principal du miel et il est vital pour la ruche. Rejoins notre équipe de prospecteurs d'or liquide. Deviens grutier et aide-nous à atteindre notre quota. Encore un emploi à ne pas rater proposé par la société Onex, filiale de Onesco. Nous voici de retour. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez compris que les humains volaient notre miel? Eh bien, blessé, trahi, énervé, frappé, nerveux, bizarre, agacé, irrité. La totale, quoi. La totale, vous voulez dire l'intégralité? C'est ça, enfin, au moins 95%. À quel moment vous êtes-vous décidé à agir? Je ne sais pas si c'était vraiment une décision consciente. L'instinct a pris le dessus, je suis devenu un guerrier. Je veux dire, ces dards ne servent pas qu'à tricoter des moufles. Des moufles? Les humains en revêtent leurs mains quand il fait froid. Je vous ai dit qu'il fait très froid hors de la ruche. Un vrai congélateur. Enfin, où en étais-je? Le miel. Ah oui. Eh bien, il fallait que je découvre où se fournissaient les humains. J'avais une piste, alors je l'ai suivie, pas à pas, centimètre par centimètre, en remuant ciel et terre. Vous avez trouvé des choses sous terre? C'est une façon de parler. Juste du miel, hein? Qui c'est ton fournisseur? Ha ha! Un garde! Je te préviens, ça va piquer! Ha ha! Bien essayé! D'où vient le miel? D'où? Les ruchers! Il vient des ruchers! Je découvrirai le fin mot de cette histoire, et même le gros, j'ai dit!
Youpi! Youpi! Oui! A plus! Youpi! Youpi! Aïe! Ah. Youpi! Bien essayé. A plus! Youpi! 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 Oh. Ça sent le barbecue ou quoi? Où suis-je? Oh, faut vraiment que j'arrête de fumer. Enfin, de me faire enfumer. Du calme, fiston. Tout va bien. Respire profondément. Oncle Howard, Tante Fran, ils sont...
Mort ? Non, encore endormi. Nous, on est des lève-tôt. On a toujours été comme ça. On est les bibanes. On habite au 217. Moi, c'est Harry et voilà Irène. Nous jouons aux cartes avec ta tante et ton oncle tous les jeudis. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, ton oncle essayait de bluffer avec une paire de deux. Non, je veux dire après ça. Que de questions ! Tu sais ce qu'il te faudrait ? Un bon verre de miel. Oh, désolé, chérie, je crois qu'on n'en a plus. Plus de miel ? Mais comment c'est possible, ça ? Ça arrive, Barry, on en fera un peu plus, c'est tout. C'est ce qu'on fait ici, on fabrique du miel. Et puis, la mystérieuse fumée blanche arrive. On tombe dans les pommes. Sans vouloir être impoli, vous ne trouvez pas ça bizarre que quelqu'un vous enfume et vole tout votre miel ? Excusez-moi, merci, je dois y aller. On dira à ta tante et ton oncle que tu es passé. Reviens quand tu veux, Barry. Oui, n'hésite pas. Si ça ne prouve pas à Adam qu'il y a un essaim de guêpes qui se dirige par ici, je sais pas ce qu'il convaincra. Des guêpes ? Ne tirez pas avant de voir les facettes de leurs yeux. Waouh ! Ça, c'est ce que j'appelle se fourrer dans un sale guêpier. Bougez pas, il y aura de la fumée pour tout le monde. Bougez-vous, mes jolis, c'est l'heure de la récolte. Fumée ! Qui veut de la fumée ? On reviendra. On n'a pas dit notre dernier mot. On n'a même pas commencé à se battre. Repliez-vous. Qui c'était, ce type? Il avait l'air d'un cinglé avec cet enfumoir. C'est Freddy, le chef des apiculteurs. Un apiculteur? Il cultive des abeilles? Il gère le rucher. Il faut que quelqu'un l'arrête. On est avec toi. C'est quoi ton plan? Mon plan? Je pensais plutôt à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aime la fumée, quoi. Mais regarde autour de toi, on a besoin de ton aide. À nous de jouer, enfumoir adoré. Là où il y a de la fumée, il y a Freddy. J'adore les abeilles et la fumée, les abeilles et la fumée. Laissez vos craintes s'envoler en fumée. Ok les gars, à moi de jouer. Abandonnez pas maintenant. Continuez. Restez groupés. Ah ! Abandonné ? Il est fichu ! Oh, bonjour les petits oiseaux. Vous sentez la fumée ? Hourra ! Hourra ! Bien joué, Barry ! On lui a montré qui on était. Maintenant, montrons-le au monde entier. Barry, vous avez découvert que les humains volaient notre miel et vous avez été présenté à la reine. Est-ce qu'elle est belle ? J'imagine. On m'avait dit de m'incliner, alors j'ai pas bien vu. J'ai toujours pensé que si je rencontrais la reine, on deviendrait les meilleurs amis du monde. Bien sûr, pourquoi pas ? Vous voulez bien me présenter ? Je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Je veux dire, je la connais pas vraiment. On ne s'est rencontrés que parce que j'avais enfreint la loi des abeilles. C'est pas comme si on avait pris le thé ensemble. C'était plutôt une histoire de jugement. J'avais comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Alors, c'est non. Oui. Enfin bref, je faisais mon boulot d'Apollon du pollen. J'en fais trop, là ? Et Onyx, nous savons que le miel est source de vie pour New Hive City. Si tu as le talent nécessaire, tu peux devenir responsable de l'expédition et du stockage. Fais du bon boulot et tu seras récompensé. Je reçois ce soir Barry B. Benson, l'abeille qui a intenté un procès aux humains pour vol de miel. Vous aimez la loi, Barry ? Oui. En tant qu'abeille, il faut généralement que vous piquiez quelqu'un pour obtenir justice. Et Monsieur Montgomery, comment est-il ? Oh, lui ? C'est le pire de tous. Pourri jusqu'à la moelle. Pourquoi dites-vous ça ?
À cause des magouilles dans lesquelles ils trempaient. Vous savez, beaucoup de gens sont au courant de la crise du miel, mais personne ne connaît la conspiration qui se cache derrière. Une conspiration, vous dites ? Une conspiration, tout à fait. Non seulement les humains volaient notre miel, mais ils manigançaient quelque chose d'encore pire, et Montgomery était le cerveau de l'histoire. C'est pour ça que j'avais besoin de preuves. Vraiment ? Je suis née pour rapporter ce genre de scandale qui fait de l'audience. Pardon ? Rien, rien. Où en étais-je ? Une odieuse conspiration aux dimensions planétaires. Mais je n'ai jamais dit... Je vous en prie, Barry, continuez. Dites-nous tout. Le voilà ! Prêt, Adam ? Giles, conduisez-moi au cochon gourmand. J'ai faim et j'ai un coup de fil à passer. Faites un détour. Je dois téléphoner. Oui, monsieur. Prêt ? Attends, Barry ! Prêt ? En avant ! Youpi ! Youpi ! C'est une magnifique journée dans notre belle ville. Merci d'avoir choisi la compagnie Aventure et Tourisme pour faire de votre visite une véritable aventure. Et au premier étage, vous verrez une abeille. Une abeille ? Yeah!
Dis donc, t'es en pleine forme. T'as même pas l'air fatigué. C'est ce que j'essayais de te dire. Le cochon gourmand est juste en bas de la rue. J'y suis allé à pied. Il a dû durer un bon moment, cet appel. Tu as fait tout le tour. Bon, c'est quoi le plan? Ok, Montgomery est entré dans ce restaurant. Je prends le devant, tu prends l'arrière. Et après, on lui saute dessus. Non, on l'espionne. Comme des mouches sur un mur. Ouais, attends. Je déteste les mouches. Allez. Bien. Aïe, la main du pourboire. Garçon, il y a une abeille dans ma soupe. Monsieur Montgomery, je suis navré. Ce n'est rien. Laissez-moi installer ces messieurs à une autre place, une table qui leur sciera davantage. Alors dites-moi, comment ça se présente? Très bien, nous avons récemment fait une grande avancée qui devrait vous satisfaire. Parfait, je suis ravi de l'entendre. Je vous avais bien dit que cette idée était géniale. Et si nous jouons bien notre jeu, vous et moi pourrions très bientôt gagner les clés du royaume du miel. Mais, et l'abeille? Ah oui, l'abeille. Eh bien, je ne m'en ferais pas trop si j'étais vous. Je crois qu'avec ce que nous lui réservons, notre monsieur Benson et toute sa clique sont à deux doigts de perdre la partie. Mais comment pouvez-vous en être sûr? D'abord, sachez qu'avec ce que j'ai dans mon bureau, je peux mettre un terme à cette affaire avant même qu'elle ne devienne un problème pour nous. Oui, monsieur. Quant au reste, disons simplement que j'ai un bon pressentiment. J'imagine que c'est en lieu sûr. Mon cher ami, pour qui me prenez-vous? Tout est dans mon coffre, l'endroit le mieux gardé au monde. Seuls deux de mes plus loyaux partenaires et moi-même détenons les trois parties du code d'accès, lequel change constamment. Ils doivent à chaque fois utiliser leur ordinateur pour l'obtenir, ce qui me permet de les suivre à la trace. Maintenant, si vous me laissiez faire... Adam, tu me reçois? Toujours avec plaisir, tu le sais. Passe à la maison ce soir si tu veux. Ah... Écoute, je suis sur une piste, on sort d'ici. La pluie fait des claquettes. Merde, il pleut encore. J'espère que ça va se lever. Temps de se mettre au covoiturage. Qu'est-ce qui t'a retenu? Les circulations. Je vais failli me faire transformer en passage piéton 20 fois. Il faut que j'entre là-dedans. Barry, il te recherche. Je peux éventuellement me charger de la réceptionniste, mais tu vas devoir trouver un moyen d'entrer. Qu'est-ce que c'est que ce costume? C'est mon déguisement. Astucieux, n'est-ce pas? Barry, c'est une mouche. Je sais, c'est parfait. Allons-y! Bon, faut que je trouve ces codes. Abandonné? Mémo, pas
Pensez à passer chez le teinturier avant 6 heures. Modifiez le témoignage dans l'affaire Lucco. Oh, et ne pas oublier d'ôter le cadavre de Barry B. Benson de mon coffre. Oh, really? Apparemment, il a été assez idiot pour tomber dans mon piège. Maintenant, non seulement il va perdre le procès, mais il est sur le point de passer le dard à gauche. Oh, Mémo, pensez à acheter des œufs, du lait et du miel. Alors, on emploie la manière douce ou la manière forte? C'est quoi la manière douce? La manière douce, c'est qu'on te passe à tabac, on te réduit en miettes et on jette les restes aux chats. Et c'est quoi la manière forte? Eh bien, nous serions dans l'obligation d'employer la posture. La posture? Vous voulez dire la torture? C'est à moi qui cause? Super! T'es le talent, chef! C'est à moi que tu... Hey! Il y a beaucoup de jaune là-bas, parce qu'on pourrait essayer les marguerites ou les jonquilles. C'est magnifique! Fais voir. Qui lui a envoyé des fleurs, m'avez-vous dit? Sa femme. Il n'est pas marié. Sa mère. Vous savez quoi? Je crois que je vais lui faire la surprise. Au revoir. Ici Janet Chung. Je reçois ce soir Barry B. Benson. Et nous allons vous révéler tous les secrets de la crise du miel. L'action. L'intrigue. Les magouilles illégales. Ce soir, je vais vous faire découvrir les dessous d'un complot planétaire. Ici Janet Chung. Restez avec moi. Nous sommes de retour. Barry, je... C'était quoi, ça? Quoi? Cette histoire de conspiration planétaire, vous en faites un peu trop, non? Les magouilles illégales, quand même. C'est pour l'audimat, Barry. Mais je n'avais jamais mentionné ça avant ce soir. Et où avez-vous eu ces images? C'est la magie de la télévision. Enfin, revenons-en à votre histoire. Barry, expliquez donc à l'abeille ouvrière de base ces histoires juridiques. Eh bien, le problème avec les humains, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de lois. Les abeilles n'ont que 6 lois. 7 si on compte pas de miel le samedi. Peu d'abeilles observent cette règle, seulement les orthodoxes. C'est vrai. Bref, le système judiciaire humain est un véritable puits sans fond. Je vois, vous voulez dire qu'il y a un puits au milieu du tribunal? Ça, c'est ingénieux. En fait, c'était une métaphore. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un vrai labyrinthe. Et que s'est-il passé ensuite? Bien, quand ça a commencé à chauffer au tribunal, mon enquête a pris un tour bizarre. La conspiration! Je vous en prie, continuez. Voilà. Ok, c'est ici que les humains stockent leur nourriture. Il faut qu'on trouve des preuves. Pourquoi il y a tant de boîtes? Qu'est-ce que c'est que toutes ces nourritures différentes? C'est quoi, des biscuits? Il y a des milliers de parfums différents. Pour les humains, la diversité, c'est le piment de la vie. Je croyais que c'était le miel, le piment de la vie. Pour les abeilles, oui. Pour les humains, c'est la diversité. Et un truc appelé paprika. Séparons-nous. Tu vas par ici, moi je vais par là. Santa Maria! Allô? Oui, c'est Hector. Je suis au supermarché. L'abeille est là. Oui, celle du procès. Qu'est-ce que j'ai fait? Calme-toi. Garde ton sang-froid. J'en ai assez de me battre avec cette abeille. J'envoie les molosses. N'oubliez pas, discrétion totale, restez dans l'ombre. L'élément de surprise est notre meilleure arme. Tout ce que nous avons à faire, c'est... Hé, hey, l'abeille! Tu vas regretter d'être venu! Mon patron a envoyé son plus gros fifre pour te mettre la pâtée. Il faut que je trouve quelque chose. Pas question que ces macaques m'empêchent de trouver ma preuve. Tu feras mieux la prochaine fois! Presque! Discrétion, furtivité. Hé, l'abeille, dis bonjour à ton petit camarade. Barry, à
À l'aide ! Madame, j'arrive ! Ok, ça suffit. On va voir si ton ami tient vraiment à toi. Adam, tout va bien ? Ça va, mais il faut que je te dise. Ralentis, respire. Bon, reste ici jusqu'à ce que je trouve un moyen de sortir. Barry, je l'ai trouvé. J'étais en train d'utiliser le scanner quand je l'ai trouvé. Quoi ? Tu sais que toutes les routes mènent à la ruche. Eh bien, il y a un truc bizarre à propos de ces expéditions de miel. Aucune d'elles n'arrive. Elles partent, et toutes vers un seul endroit. Et je l'ai trouvé. Dis, l'abeille, je sens ton odeur. Je crois que tu as besoin d'une douche. Tu sais, on apprend plein de choses dans les documentaires animaliers. Par exemple, j'ai appris que les abeilles ne pouvaient pas voler les ailes mouillées. Reste ici, j'ai un compte à régler. Ken, par ici, s'il vous plaît, un sourire, Ken, par ici. Éloignez-vous de moi, bande de rapaces. Allez, tirez-vous avant que je m'énerve sérieusement. Barry, quel a été le rôle de Ken dans cette histoire? Très mineur, il n'a eu qu'un rôle secondaire, absolument sans importance. J'ai même du mal à me souvenir de son nom, parfois. Qu'est-ce que c'est déjà? Ben ou Len? Je sais plus. Oh non, c'est lui! Je suis désolé, Ken! Non, pas le vent italien! Maman! C'était juste un petit tremblement de ruche. Je savais, ils en avaient parlé à la météo. Vous, Ken et Vanessa, dites-moi, est-ce que c'était un triangle amoureux? Non, je suis une abeille et elle, c'est un humain. Ken est un humain. À peine. Donc, pas de triangle. Un losange alors? Ou un trapèze? On pourrait changer de sujet. Qu'est-ce qui se passe, Barry? Cette histoire de triangle vous a fait perdre la forme? Triangle, forme! Al, dis-moi que t'as filmé ça! Celle-là, elle va nous valoir une ruche d'or! Tout le monde a entendu mon jeu de mots? Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Pardon? Tu essaies de me voler ma fiancée. Hé, calme-toi, on est juste amis! Qu'est-ce que t'as dans la main? Le Vogue italien! Mamma mia! Il est gros, hein? C'est parce qu'il y a beaucoup de pubs. Tu te souviens de ce qu'a dit Vanet? Pourquoi ta vie aurait plus de valeur que la mienne? C'est exactement le souvenir que j'en ai! Tu feras mieux la prochaine fois! Je t'aurai! On pourrait pas régler ça autour d'un verre? Bien sûr! Celui-là, c'est pour moi. Tu feras mieux la prochaine fois. Oh non, Lac Express tenue extra forte, la préférée des chignons. Exact, l'abeille. Et ça va te faire dresser les cheveux sur la tête. Oh. Ken, qu'est-ce que tu fais? Rien. Toi, tu vas passer un sale quart d'heure. C'est un véritable honneur et je tiens à tous vous remercier. Je ne vous oublierai jamais. Vous m'aimez! Vous m'aimez!
m'aimez vraiment. Excusez-moi. Pourrait-on revenir à mon histoire? J'allais en arriver au meilleur moment. Le meilleur moment? Je vous écoute. Bon. Avez-vous entendu parler de l'opération Choubru? Choubru? Comme vous dites. Non. Eh bien, ça ne me surprend pas. Choubru était le nom de code du complot organisé par Montgomery pendant la crise du miel. Et ça s'appelait Choubru? C'est ridicule. Prenons quelques appels pour savoir qui connaît l'opération Choubru. Appelez notre numéro gratuit 0800... Attendez une seconde, ne prenez pas d'appel maintenant. Écoutez, si vous commencez à prendre des appels, je vous parlerai pas de l'opération Choubru. Barry, je suis une journaliste. Et à ce titre, je veux que mon public sache la vérité. Par exemple, vous étiez un enfant surprotégé, n'est-ce pas? Comment savez-vous? Coucou, Barry! Merci, Mademoiselle John, de nous avoir invités. Nous sommes très fiers de Barry. Ça, c'est mon fils. Vous savez, il allait travailler à l'usine comme son vieux père. Oh, arrête! Tu vas le mettre mal à l'aise. Il n'a jamais voulu travailler à l'usine. Vous n'avez pas d'amis, n'est-ce pas? Pas un seul. Je vois. Bon, je vais vous parler de l'opération Choubru. Ce sont les dernières infos sur l'opération Choubru? Choubru. Oui, monsieur. Vous vous moquez de moi? Non, monsieur. Pas du tout. Bon, gardez ça sous clé. Et protection laser. Laser? Bien essayé. Presque. Oh. Tu feras mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent bon. Mais c'est du miel! Oh, comme cette douce odeur m'a manqué. Une lichée, personne n'en saura rien. Oh, c'est affreux! Ça ressemble à du miel, mais ça a le goût du chou de Bruxelles! Opération Choubru! Choubru! Chou de Bruxelles! Oh, il faut que je me débarrasse de ce goût de chou de Bruxelles! Tiens, 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 regardez les gars, c'est notre ami la fouine. Ouais, la fouine. D'abord, je suis une abeille, pas une fouine. Deuxièmement, c'est tout ce que t'as pu trouver? Et troisièmement, est-ce que vous auriez un bonbon à la menthe? Je voudrais bien me débarrasser de ce goût de chou de Bruxelles. Ouais, c'est le plan du Big Boss. Ton Montgomery va transformer tout le miel du monde en chou de Bruxelles. Ça ressemble à du miel, ça a l'odeur du miel, ça a la texture du miel... Mais ça a le goût des choux de Bruxelles! Oh, mais quelle horreur! Et pour ça, il a besoin de votre miel, avec tout le stock qu'il a en réserve. Il inondera le marché. Tout le monde lui en achètera. Ce sera l'homme le plus riche du monde! Ah ouais, et qu'est-ce que vous y gagnez, vous? À ton avis, tous les bonbons qu'on veut. Assez pour devenir les rois du monde. Il le garde dans une petite mallette. C'est très généreux de votre part de me dire ce qui se passe ici. Je suppose que c'est maintenant que vous allez dire « Mais tu ne sortiras jamais d'ici pour te servir de ces informations. » Ouais, quelque chose comme ça. N'y vois rien de personnel.
C'est juste notre boulot. On peut pas faire autrement. Merci de ta compréhension. Attrapez-le, les gars! Attendez. Alors, Barry, qu'avez-vous fait après? Eh bien, Jeannette, j'ai fait ce que n'importe quelle abeille aurait fait confrontée à une telle menace. J'ai partagé les richesses. Miel, mon petit miel, je t'aime tant. Bientôt, grâce à toi, je serai un homme riche, très riche. Quoi? Quoi? Non! Non! Pas des choux de Bruxelles! Non! Non! Benson! Combien de cuillères de miel je prends dans mon thé? Quoi? Exactement. Qui le saura pour la prochaine fois? Psst! Jeannette, on est à l'antenne! Quoi? On est en direct! Oh! Alors Barry, qu'est-ce que ça fait de battre les humains? Oh, je n'ai pas vaincu les humains, je n'ai presque rien fait en fait. J'ai simplement gagné un petit procès couronné d'une amende de plusieurs millions de dollars, entraînant ainsi la faillite de l'industrie du miel et rétablissant les abeilles au sommet de la chaîne du miel. Intéressant. Et vous, Adam, comment avez-vous vécu tout ça? Bonjour. Salut, vieux. Adam, qu'avez-vous ressenti en combattant Monsieur Montgomery? C'est compliqué. Il faut que j'y aille. D'accord. Alors, Barry, des regrets? À part gagner le procès en risquant de détruire la Terre, pas que je me souvienne. Mais vous savez, ça s'est pas arrêté là. Après ça, j'ai été pris dans une sorte de tourmente médiatique, et ça, c'était très dur. Eh bien, Barry, ce n'est pas donné à tout le monde d'affronter la gloire et les exigences des médias. Être constamment filmé, interviewé, être toujours sur son 31, oh, c'est un vrai métier. En fait, je parlais de la visite du tribunal que j'ai organisée pour la presse après le procès. Venez, rentrez tous. Voilà, venez par ici. Alors, dites-nous en plus, Barry. Oui, Barry. Dites-nous ce que vous avez ressenti pendant le procès. Quoi? Oh, bien sûr. Mesdames et bourdons de la presse, ceci, dans le monde des hommes, est un tribunal. Et dans ce tribunal, tous les êtres sont égaux et méritent d'être entendus. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis venu et j'ai calmement plaidé notre cause. Objection, votre honneur. Étant donné que Monsieur Benson est un insecte aussi vicieux qu'insignifiant, qui a cherché à me porter préjudice en essayant de déterrer toutes sortes de soi-disant preuves et ruiner tous mes plans pour contrôler le monde, sans parler d'avoir tourné en ridicule ce tribunal et notre sacro-saint système judiciaire. C'est pourquoi je demande l'ajournement de ce procès. Vous ne pouvez pas demander l'ajournement, nous avons gagné à la régulière. En plus, le tribunal ne siège pas. Ah, mais c'est là que tu te trompes. Je suis le juge, le jury et le bourreau. Avez-vous une dernière parole à prononcer, Benson? Oui. Courez! Volez! Je vous méprise tous! Un peu d'aide serait la bienvenue.
Dommage que la balance de la justice ne penche pas en ta faveur, l'abeille. Les gars, allez, on doit se battre tous ensemble! Si on laisse ce type gagner, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? On est des abeilles ou on est des mauviettes? Des mauviettes! Non, on est des abeilles! Eh, il a raison! On est des abeilles! Allez! Venez! Tous à l'attaque! Sauf toi, la mauviette. C'était de fiche de camp, et j'aurais été riche! Riche! Du miel. On a gagné! Ouais! Youhou! Ouah! On l'a fait! Il était pas si fort! C'est fini, Montgomery! Ton règne est terminé! Ça a commencé avec le miel, mais ça a failli anéantir la planète. Cela pourrait-il se reproduire? La réponse risque de vous choquer. Venez découvrir dès ce soir la fin de mon entretien avec Barry B. Benson. C'était Janet Chung. Tout va bien, Barry? Écoutez, mon producteur insiste pour que je vous pose une question stupide. Je m'en excuse à l'avance. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grand-chose. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, Jeannette. Allez-y. Bien. Étiez-vous conscient de l'équilibre précaire qui règne entre les abeilles, les fleurs et les humains lorsque vous vous êtes lancé dans cette folle croisade égoïste? Oh, pardon, je suis désolé. Écoutez, c'est vrai que ça a un peu dérapé, je l'avoue. Mais il y a quand même un côté positif. Ah oui, et comment ça, monsieur Catastrophe? Eh bien, je crois que les abeilles ont pris conscience de leur importance, pas seulement dans la ruche, mais dans le monde qui nous entoure. En fait, chaque abeille est une reine! Enfin, pas comme, voyez ce que je veux dire. Nous sommes toutes spéciales. Je vois. Alors maintenant que le procès est terminé, la conspiration découverte et Montgomery sous les verrous, qu'est-ce qui vous attend maintenant, Barry B. Benson? Vous m'aviez compris, hein? Je voulais pas dire que je pourrais être reine. J'avais compris. Et maintenant, le cinéma peut-être? Non, je n'ai rien d'un acteur. Je veux dire, je sais raconter des blagues, mais les grandes tragédies, c'est pas pour moi. Un dernier mot pour notre public, Barry. Je voudrais dire que j'ai vécu tout ça comme une grande aventure. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, abeille ou humain, que votre vie soit toujours une aventure. Un vœu d'aventure pour une abeille déjà bien aventureuse elle-même. Nous allons maintenant vous montrer en direct des images de Barry et des Apollons du pollen sauvant le monde. Quoi, en direct? C'est incroyable! Ah, mais oui, c'est maintenant qu'on fait la reconstitution, c'est ça? Vous comprenez vite? La magie de la télévision, hein? C'était en direct de la ruche. Mes chers compatriotes, il faut sauver les fleurs. J'ai peut-être fait une erreur, mais je vais la réparer, même si je dois polliniser moi-même chaque fleur de ce parc. Alors, qui est avec moi? Non! Allons-y! Merci à l'équipe. La prochaine fois, t'arrêtes pas à 10, Al. Je veux un compte à rebours à 11, ok? Et Sally, 2 cuillères de miel dans mon café, ok? Et à tous ceux que j'ai pas virés aujourd'hui, je vous dis à demain. Au revoir! Salut Barry. Avant de te laisser t'envoler vers de nouvelles aventures, il y a 2-3 trucs que tu dois savoir. Utilise la touche X pour sauter. Tu peux aussi planer en appuyant sur la touche L2. Maintenant, regarde la mini-carte en bas à droite de l'écran. Elle représente la zone où tu te trouves actuellement. Les repères t'indiquent les endroits importants, quel que soit l'endroit où tu es. C'est très important pour une abeille de savoir où elle va. Et souviens-toi que je t'attends toujours chez Onyx. Consulte la mini-carte si tu te perds. Là, par exemple, je suis en train de t'attendre à l'entrée de Onyx. Tu vois? Si tu veux y aller plus vite, monte dans une voiture et conduis-la ici. Il est temps de passer à l'action. C'est droit devant, fiston. Si tu suis les balises du point A au point B, tu ne peux pas te tromper.
Puis-je te rappeler que la pitié n'est pas une valeur très répandue sur les circuits de course? Y a pas que la cervelle qui compte, faut aussi avoir du cran. Il y a des bonus de turbo un peu partout sur la route. Ceux que tu récupères sont affichés en haut à droite de l'écran. Je te conseille de les ramasser, sinon quelqu'un d'autre les utilisera contre toi. Pour utiliser le bonus que tu viens de récupérer, appuie sur la touche R2. Leurs effets sont variés, alors apprends à bien t'en servir. Souviens-toi, il n'y a qu'un moyen de gagner une course, et c'est de finir premier. Je crois que j'ai été assez gentil pour aujourd'hui. Alors, prêt à relever le défi? Go, go, go! Voilà, c'est ça. Yahoo! Merci pour ta contribution. Et d'une. Voilà, c'est ça. Merci pour ta contribution. Bon, on est dans la mouise. Thank you.
Ok, essaye encore. Génial, continue. Fais gaffe à ce que tu fais! Yahoo! Merci pour ta contribution! Qu'est-ce qui se passe? Notre quota s'effondre comme un château de cartes! Bon, on est dans la mouise. Allez, continue! Oui! Ah, continue comme ça! Tu te débrouilles comme un chef! Venez, rentrez tous. Voilà, venez par ici. Alors, dites-nous en plus, Barry. Oui, Barry. Dites-nous ce que vous avez ressenti pendant le procès. Quoi? Oh, bien sûr. Mesdames et bourdons de la presse, ceci, dans le monde des hommes, est un tribunal. Et dans ce tribunal, tous les êtres sont égaux et méritent d'être entendus. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis venu et j'ai calmement plaidé notre cause. Objection, votre honneur. Étant donné que Monsieur Benson est un insecte aussi vicieux qu'insignifiant, qui a cherché à me porter préjudice en essayant de déterrer toutes sortes de soi-disant preuves et ruiner tous mes plans pour contrôler le monde, sans parler d'avoir tourné en ridicule ce tribunal et notre sacro-saint système judiciaire. C'est pourquoi je demande l'ajournement de ce procès. Vous ne pouvez pas demander l'ajournement, nous avons gagné à la régulière. En plus, le tribunal ne siège pas. Ah, mais c'est là que tu te trompes. Je suis le juge, le jury et le bourreau. Avez-vous une dernière parole à prononcer, Benson? Oui.
Courez! Volez! Je vous méprise tous! T'es fichu, mon petit! T'es fichu, mon petit! C'était de fiche le camp, et j'aurais été riche! Riche! Bien essayé. T'es fichu, mon petit. T'en veux encore? Continuez! Un peu d'aide serait la bienvenue! Dommage que la balance de la justice ne penche pas en ta faveur, l'abeille. Les gars, allez, on doit se battre tous ensemble! Si on laisse ce type gagner, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? On est des abeilles ou on est des mauviettes? Des mauviettes! Non, on est des abeilles! Eh, il a raison! On est des abeilles! Allez! Venez! Tous à l'attaque! Sauf toi, la mauviette. Aïe! Il est trop fort! Tout ce que tu avais à faire, c'était de piche le camp
et j'aurais été riche! Riche! Du miel. On a gagné! Ouais! Youhou! Ouah! On l'a fait! Il était pas si fort! C'est fini, Montgomery! Ton règne est terminé! Ça a commencé avec le miel, mais ça a failli anéantir la planète. Cela pourrait-il se reproduire? La réponse risque de vous choquer. Venez découvrir dès ce soir la fin de mon entretien avec Barry B. Benson. C'était Janet Chung. Tout va bien, Barry? Écoutez, mon producteur insiste pour que je vous pose une question stupide. Je m'en excuse à l'avance. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grand-chose. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, Jeannette. Allez-y. Bien. Étiez-vous conscient de l'équilibre précaire qui règne entre les abeilles, les fleurs et les humains lorsque vous vous êtes lancé dans cette folle croisade égoïste? Oh, pardon, je suis désolé. Écoutez, c'est vrai que ça a un peu dérapé, je l'avoue. Mais il y a quand même un côté positif. Ah oui, et comment ça, monsieur Catastrophe? Eh bien, je crois que les abeilles ont pris conscience de leur importance, pas seulement dans la ruche, mais dans le monde qui nous entoure. En fait, chaque abeille est une reine. Enfin, pas comme, voyez ce que je veux dire. Nous sommes toutes spéciales. Je vois. Alors maintenant que le procès est terminé, la conspiration découverte et Montgomery sous les verrous, qu'est-ce qui vous attend maintenant, Barry B. Benson? Vous m'aviez compris, hein? Je voulais pas dire que je pourrais être reine. J'avais compris. Et maintenant, le cinéma peut-être? Non, je n'ai rien d'un acteur. Je veux dire, je sais raconter des blagues, mais les grandes tragédies, c'est pas pour moi. Un dernier mot pour notre public, Barry. Je voudrais dire que j'ai vécu tout ça comme une grande aventure. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, abeille ou humain, que votre vie soit toujours une aventure. Un vœu d'aventure pour une abeille déjà bien aventureuse elle-même. Nous allons maintenant vous montrer en direct des images de Barry et des Apollons du pollen sauvant le monde. Quoi, en direct? C'est incroyable! Ah, mais oui, c'est maintenant qu'on fait la reconstitution, c'est ça? Vous comprenez vite? La magie de la télévision, hein? C'était en direct de la ruche. Mes chers compatriotes, il faut sauver les fleurs. J'ai peut-être fait une erreur, mais je vais la réparer, même si je dois polliniser moi-même chaque fleur de ce parc. Alors, qui est avec moi? Non! Allons-y!
Merci à l'équipe. La prochaine fois, t'arrêtes pas à 10, Al. Je veux un compte à rebours à 11, ok? Et Sally, 2 cuillères de miel dans mon café, ok? Et à tous ceux que j'ai pas virés aujourd'hui, je vous dis à demain. Au revoir!